Salut tout le monde, c'est Mangacard. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'une boîte de booster, donc Cardfight Vanguard, donc en anglais, et c'est la VGE BT01, donc Descent of the King of Knight. Est-ce que. Ouais, voilà. Donc là, la série est composée de 80 cartes avec 12 aspects. Et chaque booster contient 5 cartes. En tout, il y a 8 triples rares, 12 doubles rares, 20 rares et 40 communes. J'ai envie de dire comme d'hab. Puis on s'ouvre ça tout de suite. Voilà, c'est la première BT qui est sortie de Cardfight Vanguard. Autant dire que ça remonte un peu. Donc l'intérieur de la boîte. Et on va commencer par la partie de droite. Voilà. Hop, je remets un peu mon fond correctement. Hop. Là, je vais vous montrer le booster. Voilà. C'est pareil que la boîte. Je vais en garder un. Plus ou moins correctement. Hop. Et on commence avec Talk Boys. Talk Boy. Dandy Guy Romario. Donc Steel Beast Hagakure. Elle est sympa. Oracle Gardien Nikkei. Et en premier rare, Steel Dragon Void Master. Ça brille pas spécialement. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, là on voit. Et j'ai pas sorti les sleeves. Alors, d'accord. Donc, Little Sage Maran, Guiding Zombie. High Speed Braki. Oula. Dragon Dancer Monica. Et en rare, Commodore Blue Blood. Blue Blood. Blood. Elle brille. Pas spécialement les rares. Alors. Oracle Guardian Gemini, Dandy Guy Romario, Nightmare Baby, sympa. Oracle Guardian Nikkei, oh merde, j'ai une SP. Draconic Overlord en SP. Oh merde, BT1 S04. Ah, c'est la deuxième SP que j'ai en trois boîtes. Oh putain, c'est trop bon. Merde. Ah, je me suis trompé de pochette. Bon, oui, je me suis trompé de pochette. Hop là. D'accord. Bah, je suis content. J'aurais bien voulu
La Blaster Blade en SP. D'ailleurs, je l'aimerais bien en triple rare. Ça serait cool. Donc là, on a Wingull, Raichu Mili, Steel Dragon Dreadmaster, Miracle Kid et Mister Invisible en rare. Alors, Embodiment of Armor Bar, Nightmare Baby, Flogal, Weapon Dealer Govanan et Knight of Silence Galatine. Alors, Sonic Noah, High Speed Brachy, Lizard Soldiers Gantu, Dream Eater et Dragon Knight Nehalem, en rare. Alors, Claydol Mécanique, Madame Mirage, ah, elle est bien celle-là. Shining Lady, Dragon Monk Genjo et Brutal Jack en rare. Alors, Weather Girl Milk, Beat, Steel Beast Chigasumi, Karma Queen, Lucky Girl et Demon Eater en rare. Plutôt sympathique, hein. Donc Sonic Noah, Madame Mirage, Blue Dust, celui-là il est sympa. Dragon Dancer Monica et Commodore Blue Blood. Là. Donc déjà une double. Hungry Dumpty, Rock the Wall, Steel Beast Chigasumi, Wing Girl Clara et en rare Hell Spider. Alors, Embodiment of Armor Bar, moi et mon franglais, Karma Queen, Steel Dragon Dreadmaster, Weapon Dealer Govanan et en double rare Solitary Knight Gunslot. J'aime bien là ces effets de double rare. Je les préfère aux nouvelles doubles rares là, juste arc-en-ciel. Hop. Alors, Dragon Monk, Gojo, Guiding Zombie, Blue Dust, Dream Eater et Bloody Hercules. Qui est sympathique.
Alors, Covenant Knight, Randolph, Wonder Boy, Steel Dragon Dreadmaster, Lizard Soldiers, Gunlu. Ah, il y a encore une rare, Démoniteur. Ouais, ça me fait chier ça. Vu que je collectionne et que je joue pas, ça me saoule d'avoir des rares en double. Ouh, celle-là elle est sympa. Lake Maiden Lien. Celle-là elle est sympa. Red Shoes, Red Shore Milky. Ironclad Dragon Shielden. Ouais, Shining Lady. Et Commodore Blue Blood. Blue Blood, ouais. Ça fait trois fois que je l'ai. Au moment, faut arrêter les conneries. Et dernier booster. Alors, Wyvern Strike Jaran, Wonder Boy, Madame Mirage, ah, Yggdrasil Maiden Elaine, j'ai vu quelque chose, double rare Battle Sister Chocolat, vraiment sympa. Bon ben voilà, très bonne première partie et on se dit à tout de suite pour la partie 2. Salut!